Et coucou tout le monde, c'est Prince, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Zoom hors série et nous avons choisi notre amie PixieTubeuse. PixieTubeuse, de son vrai nom Aurore, est une youtubeuse Disney. Elle est née le 4 juin 1993. Elle a toujours aimé Disney. Le premier qu'elle se souvient avoir vu au cinéma est Tarzan. Elle était très jeune et avait été traumatisée par la scène où Sabor arrive. Elle était donc sortie de la salle en pleurant, ce qui explique que ça l'ait marquée. Cependant, elle avait un peu décroché à l'adolescence. Elle a replongé dans cet univers et même encore plus qu'avant en 2010 alors qu'elle collectionnait les objets en rapport avec l'univers des fées. Elle décida d'aller s'acheter des fées clochettes à Disneyland Paris avec son tout premier salaire. Après cela, elle avait très envie d'y retourner et de redécouvrir l'univers Disney dans lequel elle est toujours plongée aujourd'hui. Ses Disney préférés sont La Belle et la Bête, Cusco l'Empereur Mégalo, Le Bossu de Notre-Dame et Dingo et Max. Ceux qu'elle aime le moins sont Taram et le Chaudron Magique, Chicken Little et surtout La Ferme se rebelle. Il est également de notoriété publique que Pixie ne supporte pas Minnie et n'est pas non plus très fan de la princesse Aurore. Elle déteste Minnie à cause de sa voix, mais aussi à cause de sa personnalité et de son apparence qui sont très calquées sur Mickey. Elle trouve qu'ils ne forment pas du tout un couple équilibré et que Minnie est beaucoup trop présente sur le merchandising Disney pour les filles. Pour faire simple, Pixie décrit Minnie comme Mickey avec une robe. Quant à la princesse Aurore, elle ne l'apprécie pas parce qu'elle est inutile et passe son temps à dormir. Une des raisons pour lesquelles elle n'aime pas son prénom est que ce soit le même que cette princesse, à laquelle elle ne s'identifie pas du tout. La deuxième étant que les sonorités ne lui plaisent pas. A contrario, son personnage Disney préféré est la fée Clochette. La mode est une de ses grandes passions. C'est pour cela qu'elle aime autant le Disney Bounding qui lui permet de mélanger Disney et la mode. Enfant, elle voulait d'ailleurs devenir styliste puis journaliste de mode plus tard. Le Disney Bounding est aussi une bonne excuse pour qu'elle se permette de s'acheter de nouveaux vêtements. Elle est d'ailleurs la première youtubeuse Disney à en avoir vraiment parlé et en avoir fait plusieurs vidéos. Avant de créer sa chaîne, Aurore aimait regarder des vidéos sur YouTube, mais elle ne se voyait pas du tout dans cet univers car elle ne voyait pas ce qu'elle pourrait y apporter. C'est sa meilleure amie, Betty, qui l'a un peu poussée à le faire. L'idée d'ouvrir une chaîne Disney lui est venue lorsqu'elle était à Walt Disney World en février 2016. À l'époque, elle ne savait pas s'il en existait d'autres. Le premier nom de sa chaîne lui est venu lorsqu'elle sortait d'un spectacle. Disney plus YouTubeuse égale DisneyTubeuse. Son nom était décidé et c'est pour cela que ça a été dur pour elle de devoir le changer. Finalement, elle ne regrette pas d'être devenue PixieTubeuse. Avec sa chaîne PixieTubeuse, elle essaie d'apporter de nouvelles choses comme des reviews de livres Disney, des critiques sans spoiler ou encore le Disney Bounding par exemple. Celle dont elle est le plus fière est la vidéo des 1 an de sa chaîne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est pleine d'émotion et de sincérité, ce qui lui plaît beaucoup. Elle est également très fière de sa vidéo sur les secrets de l'abeille et la bête. Mais PixieTubeuse ne s'intéresse pas qu'aux youtubeurs Disney. En effet, ses chaînes YouTube préférées sont Oria, les Supercalin Brothers, Checkup et Hey Madoli. Concernant ses rêves et ses ambitions, Pixie aimerait être reconnue pour ce qu'elle fait en tant qu'experte Disney, faire des courts-métrages ou une web-série sur l'univers Disney ou encore interviewer des réalisateurs Disney. Ses plus grands rêves Disney restent visiter tous les parcs Disney et écrire un livre sur l'univers Disney. Mais pour l'instant, ce qui lui importe le plus, c'est surtout de véhiculer du bonheur grâce à ses vidéos et de partager sa passion avec sa Pixie Army qui représente énormément pour elle. J'espère que ce zoom spécial vous a plu, on l'a écrit avec Violette suite à une petite interview que nous avons faite en privé avec PixieTubeuse. Vous pouvez voter en haut à droite si vous voulez que nous demandions à d'autres youtubeurs Disney. Bien sûr, nous ne pouvons pas du tout vous promettre qu'ils accepteront ou que nous aurons le temps de l'interviewer. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Zoom, 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 zoom. Pocahontas. Zoom. Princesse Mag. Zoom. Princesse Mag. Zoom. Princesse Mag. Zoom, zoom.